De nouveau sur TV et Radio de Vie, il est 20h35, heure locale, et nous sommes en direct. Seigneur, merci pour ta parole, au nom de Yeshua, que les yeux de nos frères et sœurs s'ouvrent, en ton nom nous prions, Père de gloire, Amen. Voilà, nous allons rapidement parler de, pendant un court temps, nous allons parler de Yeshua, le Dieu qui vient. Vous savez, sa divinité est de plus en plus remise en cause, de plus en plus attaquée. Et la parole est claire, le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 8, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et le salut, n'est-ce pas, est conditionné. Conditionné par, n'est-ce pas, le fait de reconnaître que Yeshua seul est le chemin, la vérité et la vie. Qu'en dehors de Yeshua, le Messie, il n'y a pas de salut. Et ce n'est pas une vision sectaire quand nous parlons comme ça, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole qui le dit. Mais c'est plutôt la vérité. Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui viennent avec plusieurs discours, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs n'est-ce pas, doctrines. Mais nous croyons, mes amis, qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un seul, un seul Dieu qui nous a créés tous. Tous. Qui a créé les nations, qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Donc la vérité, elle est intrinsèque, la vérité, elle est immuable, la vérité est unique. Et nous croyons que cette vérité, bien sûr, et y a c'est un être réel dont le nom est Yeshua. Et les Écritures nous annoncent également qu'il revient, il reviendra un jour maître de l'ordre. Il reviendra un jour pour chercher son peuple. Il va revenir un jour pour restaurer, n'est-ce pas, Israël, pour restaurer la Jérusalem d'en bas, pour établir son royaume, n'est-ce pas, sur terre. Et il reviendra pour mettre de l'ordre dans ce monde de chaos, dans ce monde, mes amis, plongé dans le mal, dans le péché. Et nous croyons fermement, qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ de Nazareth, qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons fortement qu'en dehors de Yeshua, il n'y a pas de salut. La parole nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, Ésaïe 35, nous lirons à partir du verset 1er, « Le désert et le lieu aride seront dans la joie. Le lieu solitaire se réjouira et fleurira comme une rose. » Il fleurira abondamment et se réjouira, se réjouissant même et chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée avec la magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de Yahweh et la magnificence de notre Dieu. Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Dites à ceux qui sont troublés, prenez courage et ne pleurez plus, ne craignez plus. Prenez courage et ne craignez plus. Et effectivement, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Découragées parce qu'il y a beaucoup de maladies qui frappent les hommes. Découragées à cause des problèmes liés, n'est-ce pas, aux troubles. Aux troubles, il y a beaucoup de guerres, il y a de plus en plus de troubles dans le monde, comme vous le savez. Il y a de plus en plus de problèmes dans nos assemblées. Il y a de plus en plus la confusion dans le monde. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Parmi les chrétiens, parmi les prédicateurs, nous sommes dans un temps de confusion, dans un temps de doute. Beaucoup commencent à douter même du Seigneur, à douter de son amour pour eux, à douter de sa, n'est-ce pas, de ses promesses pour eux. Beaucoup doutent parce qu'ils se disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes? Pourquoi souffrons-nous comme ça? Et laissez-moi vous dire, la parole nous donne de l'espoir, de l'espérance. Et on nous dit de renforcer les mains lâches, de fortifier les genoux tremblants et de dire également à ceux qui ont le cœur troublé, oui, on peut être troublé. Oui, on peut être troublé, on peut avoir des doutes. Ça peut arriver parce qu'on est humain, n'est-ce pas? Pierre même a eu des doutes. Paul a connu des moments de faiblesse, des moments de n'est-ce pas, de tremblement. Il le dit dans 1 Corinthiens 2, qu'il était dans des tremblements. Et il le dit également qu'il était aussi abattu. Ça peut arriver, étant chrétien, d'être abattu. C'est quelque chose de normal étant humain parce qu'on est humain. On est, mes amis, sujet à des faiblesses. Et la parole nous réconforte. La parole nous dit justement, il ne faut plus craindre. Et craindre effectivement parce que il y a beaucoup
craignent, n'est-ce pas, et les signes des cieux. Beaucoup ont peur de ce qui se passe dans ce monde, des troubles, des guerres. Et ceux qui vivent dans les pays où il y a des troubles, ben, sont en permanence inquiets, ce qui est tout à fait normal. Et la parole, justement, nous fortifie ici en nous disant justement de ne pas craindre. Et pourquoi? Parce qu'on nous dit, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. On est en train de présenter aux gens ici le Dieu, le Créateur. On n'a pas dit, voici vos dieux, hein, pour, n'est-ce pas, répondre à ceux et celles qui pensent que Dieu est trinitaire, Dieu est trois en un. Là, on nous dit, voici votre Dieu. On est en train de présenter aux gens Dieu. Et c'est ça le message que nous voulons apporter justement. Voici l'époux, voici votre Dieu, voici le Seigneur qui vient. Et on nous dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Donc, on nous apprend ici que Dieu vient pour se venger. Pour se venger de ses adversaires. Pour se venger, n'est-ce pas, pour combattre ses ennemis. Et on nous dit que la rétribution de Dieu également. Donc, Dieu va rétribuer à chacun de nous ses œuvres, selon nos œuvres. Et on nous dit, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous délivrera. Waouh! On nous dit que ce Dieu qui vient, le Dieu qui vient, viendra pour nous délivrer. Et on nous dit qu'il viendra lui-même. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Donc vous voyez mes amis, celui qui vient, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui vient, c'est Dieu lui-même. On n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un d'autre. On nous dit ici qu'il viendra lui-même. J'aime la parole. Je répète encore, il viendra lui-même et vous délivrera. Donc celui qui vient lui-même là pour délivrer les gens, pour nous délivrer, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire. Et les lieux, n'est-ce pas, secs deviendront des étangs et la terre desséchée deviendra des sources d'eau. Et dans les repères où des dragons faisaient leur gîte, il y aura un parvis à roseaux et à joncs. Il y aura là un sentier, un chemin qu'on appellera le chemin de sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour cela. Celui qui va son chemin et les insensés n'y s'y égareront point. Là, il n'y aura point de lion et aucune des bêtes qui ravissent les autres n'y montera et n'y se trouvera. Et ne s'y trouvera. Mais les rachetés y marcheront. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon, ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon, retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et le gémissement s'enfuiront. On nous dit ici que Yahweh qui vient, le Dieu qui vient, c'est Yahweh. Il vient pourquoi? Parce qu'il a payé la rançon. Il a payé la rançon. Dieu lui-même, les amis, a payé la rançon. Et il est question ici du sacrifice de Yeshua à la croix. Quel amour, quelle grâce pour nous, mes amis. Et il vient justement délivrer les rachetés. Il vient délivrer son peuple. Et on nous dit ici que Dieu lui-même viendra. Lui-même viendra. Lui-même viendra. N'est-ce pas? Pourquoi je répète ce mot? Parce que celui qui vient, bien sûr, c'est Yeshua. Et nous apprenons que Yeshua est Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire que Yeshua n'est que fils de Dieu et il n'est pas Dieu lui-même. Alors que les Écritures nous disent que le Dieu qui vient lui-même, n'est-ce pas, délivrera les gens. Et on nous dit que les aveugles verront, les sourds entendront. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit quand ce Dieu viendra. Et nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du verset 18. On nous dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre? Et étant venu à lui, il lui dit, Jean nous a envoyé auprès de toi pour te dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, nous dit la parole, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Donc vous voyez, c'est quand même assez
mes amis, puissant ici, ce passage. Vous voyez l'analogie, le parallèle entre Luc chapitre 7 et Ésaïe 35. On nous dit que Dieu qui viendra lui-même, n'est-ce pas, va guérir les malades, il va rendre la vue aux aveugles. Et on nous dit ici justement, Jean envoie le Seigneur, envoie ses disciples, il était en prison, pour qu'il puisse demander à Yeshua s'il était bel et bien le Mashiach. Parce que Jean était perplexe. Jean était emprisonné et il se disait, mais pourquoi le Mashiach que j'ai présenté aux gens, l'agneau de Dieu, ne m'a pas délivré de mes ennemis? Parce que Jean, malheureusement, étant homme aussi, avait compris que le royaume de Dieu allait s'établir tout de suite, physiquement. Et Yeshua, quelle va être sa réponse? Eh bien, il va répondre par les miracles. On nous dit à l'heure même. Donc, vous voyez, ça, c'est une réponse pour dire à Jean, qui connaissait bien sûr la Torah, qui connaissait les prophètes, qui était un prophète, donc il connaissait le passage d'Ésaïe 35 qui disait que Dieu lui-même allait venir et qu'il allait rendre la vue aux aveugles. Et Yeshua, en faisant, n'est-ce pas, des miracles tout de suite, en rendant la vue aux aveugles, il a donné la réponse à Jean. Il a voulu rassurer Jean, son serviteur. C'est comme s'il lui disait, rassure-toi Jean, voilà l'accomplissement d'Ésaïe 35. Je suis le Dieu qui guérit. Voyez, donc il dit aux disciples de Jean, allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. Donc Yeshua ici nous apprend que les signes de sa messianité étaient, mes amis, manifestes, ces miracles. Parce que, effectivement, si vous lisez les Écritures, vous verrez que aucun prophète, à part Yeshua, homme, n'a rendu la vue à un aveugle. Bien sûr, après Yeshua, il y a eu des guérisons d'aveugles. Il y a eu des délivrances, des miracles. On voit aujourd'hui des guérisons des aveugles qui voient, des sourds qui entendent. Vous avez pu voir tout à l'heure cette image de ce monsieur en Belgique qui était aveugle, que le Seigneur a guéri lors d'un programme de réveil. Donc Dieu continue d'agir, mes amis. Et là, on nous apprend que Yeshua est en train de confirmer sa divinité. Parce qu'on nous dit dans Ésaïe 35 que Dieu viendra lui-même et il va rendre la vue aux aveugles. Et Jésus-Christ ici dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, comme Ésaïe 35 le disait. Donc Jésus-Christ est en train de confirmer sa divinité ici, mes amis. Donc celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, soit il est satanique, ou il est ignorant et il a besoin d'être aidé, d'être enseigné, bien sûr, par le Seigneur. Les signes de la divinité de Yeshua sont, mes amis, évidents. Donc, ici, dans Apocalypse, chapitre 1er, qu'est-ce que les Écritures nous apprennent? Dans Apocalypse, chapitre 1er, on nous dit au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. » Donc, le Dieu qui vient, il viendra lui-même, nous dit la parole, et on nous dit que ce Dieu a été percé. Et qui a été percé? Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On nous apprend ici que celui qui vient, il était, il est et il vient. Et il se définit lui-même comme étant le Tout-Puissant. Et c'est le Tout-Puissant qui vient, mes amis. Donc, voyez bien que Yeshua est bel et bien le Tout-Puissant. C'est-à-dire, si on lit ce mot-là en hébreu, c'est, n'est-ce pas, El et Shaddai. Et regardez ce que Dieu, justement, dit dans Genèse, chapitre 17. Merci Seigneur pour ta parole. Dans Genèse, chapitre 17, Dieu dit quelque chose de fort à son serviteur Abraham. Voilà. Merci Seigneur. Puis Abraham étant âgé de 99 ans, Yahweh lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et on nous dit que c'est Yahweh. Et Yahweh, comme vous le savez, est le nom de Dieu le plus cité dans toutes les Écritures.
Bien sûr, les écritures de Genèse à Malachie, le Tanakh. Et il se définit, il se présente comme le Tout-Puissant. Et Jésus-Christ, dans Apocalypse 1, nous dit qu'il est le Tout-Puissant. Mes amis, il ne peut pas y avoir deux Tout-Puissants. Donc Jésus-Christ est bel et bien le Dieu Tout-Puissant. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Nous sommes limités, nous sommes humains et nous sommes limités. Notre compréhension est limitée, mes amis. Et on a du mal parfois à comprendre cette, mes amis, ces fonctions dans lesquelles Dieu est. Et il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas plusieurs dieux. Jésus-Christ est bel et bien le Dieu Tout-Puissant. Et Ésaïe 9, 5 nous dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né, on l'appellera admirable, l'admirable, le conseiller, le Père éternel ou le Père d'éternité. Donc on l'appellera cet enfant-là le Père d'éternité. Or, il n'y a pas deux pères d'éternité, mes amis. Donc voyez bien que celui qui vient, c'est bel et bien Yeshua, notre Maître. Et regardez également ce que la parole nous dit, dans ce que le prophète nous dit, notamment. Le prophète Zacharie. Voilà ce que Zacharie nous apprend dans le livre de Zacharie chapitre 14. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, Zacharie 14. Voici, le jour de Yahweh arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et il combattra ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Au verset 4, on nous dit, ses pieds, ses pieds, ses pieds, les pieds de Yahweh se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Voyez mes amis, et on nous dit que ses pieds, les pieds de Yahweh se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Le verset 7 nous dit, ce sera un jour unique, connu de Yahweh, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Au temps du soir. Et Ésaïe 60 nous dit que lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Or, Yeshua, dans Jean 8, nous apprend qu'il est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Le soleil levant. Donc, vous voyez bien que c'est le même Dieu qui vient. Et c'est pour cela, mes amis, l'époux qui vient, que nous attendons tous, mes amis, nous apprend, nous interpelle, nous invite à la sanctification, à la préparation et non à la distraction, s'il vous plaît. Préparons-nous, mes amis, préparons-nous au retour du Mashiach. Préparons-nous à son retour, car il est en train de revenir. Donc, je voulais vous dire vraiment que celui qui vient, Yeshua, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même, n'est-ce pas? Et vous voyez bien qu'on nous dit que c'est Yahweh qui vient. C'est Yahweh qui vient. Regardez ce que le prophète nous dit, un autre prophète, notamment notre grand frère Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Dans Ésaïe, au verset 19, tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car Yahweh sera pour toi la lumière éternelle et le jour de ton deuil seront finis. On nous dit ici que Yahweh sera notre lumière pendant l'éternité. Or, il ne peut pas y avoir deux lumières. Il y a une seule lumière, c'est Yeshua, la lumière du monde. Voyez, mes amis? Et on nous dit que c'est lui, Yahweh. Donc, vous voyez bien que c'est le même être, le Dieu Tout-Puissant, et il est Tout-Puissant. Donc, si on dit qu'il est Tout-Puissant, comprenez que ce mot-là veut dire qu'il est capable de tout. N'allez pas le limiter pour dire, mais comment il peut être fils, père et Saint-Esprit? Mais il est tout puissant. Allez vérifier dans un dictionnaire qu'est-ce que le mot tout puissant veut dire. Allez vérifier même en hébreu. Il peut tout. Il fait ce qu'il veut. Psaume 115, 3 nous dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc, voyez, mes amis, il y a un seul Dieu. Dieu est un. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dieu est un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y a plusieurs êtres qu'on appelle divinité, qu'on appelle Dieu, comme chez les Romains, chez les Grecs, tout ça, comme dans d'autres, comme chez les Hindous. Mais pour nous croyants, pour nous chrétiens, pour nous disciples de Yeshua, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, bien sûr, c'est Yeshua, qui se révèle à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ça la sainte doctrine. C'est ça la vérité, mes amis, intrinsèque. Que cela n'en déplaise aux gens, c'est la vérité que nous défendons jusqu'à la fin de nos jours, au nom de Yeshua. Les gens doivent connaître leur Dieu. Et la parole est claire, mes amis.
Et Dieu est le Tout-Puissant. Et regardez ce que Jean 3 nous dit, justement. Jean chapitre 3, au verset 13. Qu'est-ce que la parole nous dit? Jean 3, 13 nous dit, mes amis, Yeshua dit, car personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc vous voyez bien que quand il parlait ici, il était sur terre. Mais il nous dit qu'il était en même temps dans le ciel. Donc c'est ça qu'on. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il remplit tout. Il était sur terre et en même temps dans le ciel. Donc vous voyez, Yeshua est bel et bien le Dieu qui vient. Frère, c'est clair, c'est important que les chrétiens connaissent leur Dieu. Vous voyez, Dieu dit, mon peuple me connaîtra. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est important. Et on nous dit que, mes amis, Dieu a un nom. Si Yeshua n'était pas le Père, alors donnez-moi le nom du Père. Parce que, mes amis, de Matthieu à Apocalypse, c'est le nom de Yeshua qu'on nous a révélé. Donc, si il n'est pas le Père, s'il n'est pas Dieu, alors donnez-moi le nom de Dieu qui a été présenté aux gens à partir, mes amis, de Acte 2 jusqu'à Apocalypse 22. Si Yeshua n'est pas lui-même le Père, le Tout-Puissant, le Dieu glorieux. Et c'est le seul nom qui nous est donné. C'est le nom du Dieu qui nous a été révélé. C'est le nom de Yeshua. Voyez? Donc, il est vraiment le Dieu qui vient, mes amis. Le monde va mal. Il y a de plus en plus de malades. Préparons-nous à l'enlèvement. Préparons-nous au retour de Yeshua. Pas de distraction. Avançons avec le Seigneur. Si vous avez des doutes sur les uns des autres, priez. Dieu vous éclairera. Mais notre message, comme vous le connaissez, c'est le même depuis le commencement. C'est la sanctification, la crainte de Dieu, la repentance. Repentons-nous car Yeshua revient. Préparons-nous pour le retour du Mashiach, pour le tribunal de Christ, pour les noces, pour, mes amis, la restauration de la famille divine, de la famille de Dieu. Pendant l'éternité, nous allons être avec le Maître. Donc, vous voyez, le Dieu qui vient en lui-même est celui qui nous a appelés. Regardez également ce qu'il dit. Donc, il y a des passages comme ça qui me viennent à l'esprit dans Ésaïe, toujours, Ésaïe chapitre 40. Regardez ce que Dieu dit au verset 10. Il dit, voici, le Seigneur Yahweh viendra contre le fort et son bras dominera sur lui. Voici, son salaire est avec lui et ses rétributions sont devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras. Il les placera dans son sein. Il conduira celle qui allaite. Voyez, on nous dit que c'est Yahweh qui vient. Voici le Seigneur Yahweh vient. Donc là, ici, l'hébreu nous parle de Adonai. N'est-ce pas? Voici Adonai, hein, Yahweh viendra contre le fort. Le fort ici, mes amis, c'est bien sûr certainement l'homme impie. Il viendra contre, mes amis, l'homme impie. Il viendra pour combattre l'homme impie. Il viendra pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Et on nous dit, mes amis, on nous dit qu'il va paître son troupeau. Or, Yeshua nous dit dans Jean 10 qu'il est le bon berger. S'il est le bon berger, alors qui est le berger dont il est question dans. S'il n'y a pas un, s'il y a un autre berger que Jésus-Christ, alors donnez-moi, mes amis, s'il n'est pas le berger, le véritable berger, alors, mes amis, qui est le Père d'ailleurs, et si ce n'est pas lui, Yeshua, alors dites-moi maintenant, quel est le nom de ce vrai berger, de ce bon berger que nous devons adorer? Bien sûr, il est question de Yeshua, c'est toujours Yeshua. Il est le berger qui s'est révélé à David dans Psaume 23, quand David disait, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Voyez? Et dans Jean 10, le Seigneur vient, il dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis un berger. Il a dit, je suis le bon berger. Donc, il ne peut pas y avoir deux bergers. Il dit, il y a un seul berger dans Jean 10 et un seul troupeau. Et c'est le berger de Psaume 23. Donc, vous voyez bien que Yeshua, le Mashiach, est véritablement le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, frères et sœurs. Préparons-nous à son retour. À lui la gloire, soyez fortifiés, soyez encouragés, les documents, les défenseurs de la vérité, vous qui priez les uns pour les autres, fermons nos oreilles, avançons mes amis, faisons l'œuvre du Père, au nom de Yeshua, Dieu touche les cœurs, Dieu touche les gens, et vous tous qui priez pour nous, continuez à le faire mes amis, l'œuvre se fera, au nom de Yeshua, soyez fortifiés, Amen, au revoir.